Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous embarque dans la réalisation d'une recette qui va vous décoller les papilles, gourmandise garantie. Franchement je pense que ça fait partie des meilleurs cookies que j'ai fait, je dois le reconnaître. Alors dans un cul de poule, vous allez mettre 100 g de cassonade et 100 g de sucre, sachant que j'ai largement désucré la recette initiale. On ajoute ensuite 175 g de beurre pommade, pour une fois je suis contente, il était vraiment pommade, j'ai su patienter. Et allez, on mélange, on crème tout ça. Vous ajoutez 300 g de farine, pour moi de la T55, 6 g de levure chimique, ce qui correspond à peu près à un demi-sachet. On commence à remuer avant de venir ajouter une pincée de fleur de sel et un œuf. On va venir ensuite ajouter le chocolat. Alors moi j'ai grossièrement concassé 250 g de chocolat noir, sachant que dans la recette de Monsieur Lignac c'était 380 g, mais j'avoue que ça me semblait quand même un petit peu énorme. Je me suis dit que 250 ça suffirait, puis ma foi, bah écoutez, j'ai pas été déçue. Vous adaptez en fonction de votre envie de gourmandise chocolatée. Vous amalgamez la pâte entre vos mains, vous la travaillez un petit peu sur le plan de travail, mais pas trop non plus, et on va venir former un boudin. Pour pouvoir la travailler sans difficulté, j'ai choisi de la réserver dans un film alimentaire une heure au réfrigérateur. Et quand je l'ai sorti, j'ai coupé des tranches d'environ 2 cm d'épaisseur. Quand vous avez tous vos morceaux, vous les déposez sur une plaque de cuisson, direction le four 8 à 10 minutes à 170 degrés. Et voilà ce que ça donne à la sortie du four. Alors je ne vous raconte pas l'odeur qu'il y avait dans la maison. Pour le plaisir, je vous montre l'intérieur d'un cookies. Ils sont vraiment comme j'aime, ils sont croustillants autour, chewy à l'intérieur. Franchement, on valide. Voilà, mais écoutez, avec tout ça, si je ne vous ai pas donné l'envie de réaliser cette recette, j'arrête la cuisine. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais des gros bisous sucrés à tous.